m'appelle Thomas Sancho, je suis joueur du Castres Olympique. Je vais vous présenter Castres, ma ville. Allez, on y va. J'apprécie déjà l'accueil des gens. C'est vrai que les gens sont très sympas, sont très accueillants, que ce soit dans la rue ou dans les restos. Moi, j'aime beaucoup le centre-ville de Castres, Jean Jaurès, ce coin ici et là où on voit ces maisons au bord du fleuve. La région et la ville de Castres me plaît beaucoup, donc c'est vrai qu'on y est vraiment bien avec mon épouse. Là, on va passer en fait. Ouais. C'est là où on se retrouve un peu le samedi après les matchs. Ah. C'est les coins un peu sympas. Je pense que si Castres est connu et reconnu aujourd'hui, c'est grâce notamment au rugby. Au niveau sportif, ça va être de se montrer pour dire aux entraîneurs qu'on est là. Et après, c'est bien d'aller jouer dans des petits villages comme Alacône, d'aller jouer dans des petits villages comme Saint-Afrique. Voilà, c'est montrer autre chose du rugby. Et maintenant, je vais vous faire découvrir un autre côté de Castres, le côté gastronomie. Donc, je vous invite au restaurant des saveurs avec son chef étoilé Simon Scott. Je vais présenter le plat qu'on va faire aujourd'hui. C'est un foie gras poêlé au pain d'épices, compote de rhubarbe et une écume de BS, qui est une plante que je ramasse dans le montagne noir. Moi je suis douette, donc c'est vrai que j'aime la garbure, le confit de canard, j'aime aussi tout ce qui est. D'ailleurs, c'est difficile avec le riz, quoi. On essaie de faire attention un peu à ce qu'on mange et je vois quand je rentre chez ma mère, c'est compliqué. C'est bon, il y a de tout. Quoi. Du salé, du sucré. Félicitations. Bon. Allez, merci beaucoup. Merci Thomas. À bientôt. Ouais, à bientôt. Voilà, c'en est fini de ma visite de Castres. Maintenant, c'est à vous de faire votre propre idée. Donc, je vous invite à me rejoindre et à venir visiter cette ville. Allez, au revoir.